Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma morning routine. Il y a quelques semaines, je vous ai partagé ma night routine, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le petit. Aujourd'hui, je vais vous partager ma routine skincare, le maquillage que je fais souvent en ce moment. Donc là, vous allez me retrouver démaquillée et je vais vous montrer comment je me transforme en ça. Donc ça reste un maquillage assez naturel, mais vous allez voir qu'il y a quand même du changement. Hop, j'attache mes cheveux. Voilà, je sors tout juste de ma douche. En premier, ce que je vais faire, c'est me laver les dents. Et entre autres, je vais utiliser ce produit-là. C'est un produit que j'ai trouvé chez Action. C'est une poudre au charbon. Ça va venir blanchir et bien laver nos dents. Je suis une grande consommatrice de café. Je vais en profiter là pour bien blanchir mes dents, bien les laver. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. J'ai pris ma douche ce matin. Je me suis lavé les cheveux ce matin. En règle générale, la semaine, je me lave le soir, donc hormis le dimanche, le samedi ou si je prends tard la semaine. Pour revenir à ce produit-là, c'est une petite pépite, ça vaut rien du tout à Action. Il y a énormément de poudre, ça fait longtemps que je l'ai et vraiment, je suis loin de l'avoir fini. Donc j'en ai appliqué un tout petit peu sur ma brosse à dents que j'ai humidifiée avant pour que le produit se colle. Et là, je vais tout simplement venir me laver les dents, comme si c'était du dentifrice. Pourquoi je commence par ça? Parce que vous avez vu, ça met plein de noir autour des lèvres. Ça m'arrive de me maquiller et de me dire mince, j'ai les dents toutes jaunes, ça fait pas joli. Et je me fais ça, sauf que je regrette. Même avec un verre d'eau, ça en colle partout. Et ensuite, pour bien venir rincer, je me brosse les dents avec un dentifrice basique, Signal. Voilà, mes dents sont prêtes. En règle générale, le matin, comme je vous disais, je prends pas ma douche. Donc en premier, je vais venir pulvériser de l'eau dessus. Ça permet d'hydrater et de rafraîchir. C'est pour tout type de peau. La brume d'eau Purcient hydrate votre peau, lui procure une sensation de fraîcheur intense. Et ouais, c'est franchement, c'est trop agréable. C'est idéal en été. On peut même l'appliquer après le maquillage. Elle va permettre de venir hydrater la peau. Là, je vais pas l'utiliser parce que j'ai pris ma douche. Et je vais utiliser une eau florale Christian Lénard au romarin pour peau grasse. Alors, je dirais pas que j'ai forcément vraiment la peau très très grasse, mais un petit peu. Donc elle va permettre de venir nettoyer la peau, matifier, de resserrer les pores. Et on applique sur un coton ou au creux de ma main. Et franchement, ça dépend. Et là, en fait, je voulais pour une fois vous montrer que j'utilise quand même des cotons jetables. À chaque fois dans mes vidéos, je vous montre que j'utilise que des cotons réutilisables. Et aujourd'hui, j'avais envie de montrer une vraie partie de la réalité. Au quotidien, ouais, vraiment, je vais utiliser les trois. Des fois, j'utilise mes mains pour ne rien salir et tout, pour ne pas utiliser de coton. Des fois, ça va être les réutilisables, mais j'en ai pas tout le temps. Des fois, ils sont tous à laver. Et puis, des fois, j'ai envie de faire vite. J'ai envie tout simplement d'utiliser un coton. Je me dis que c'est déjà bien de faire l'effort. Donc voilà, je passe un petit coup pour bien venir nettoyer. Et ensuite, je repasse un petit coup de brume pour venir rincer. Je sais pas si c'était une très 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 bonne idée de mettre un t-shirt blanc. J'essuie mon visage. Donc ensuite, j'utilise le toner de chez La Neige. Quelques gouttes suffit. Vraiment une ou deux. Ça sert à rien d'en mettre plus. Ça se fond parfaitement à la peau. Ça s'applique, ça glisse tout seul. C'est super agréable. C'est de l'eau, mais un tout petit peu plus épaisse. Mais vraiment, on pourrait pas dire une gelée, mais un tout petit peu, je sais pas trop quoi. C'est bien frais, c'est super agréable. C'est une lotion tonique exfoliante, mais vraiment très 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 délicat. C'est enrichi en acide hyaluronique unique et en acide hyaluronique bleu. Il y a des algues marines pour venir hydrater à fond. Ce produit-là, ça fait pas très longtemps que je l'utilise. Je dirais une semaine ou deux. J'avais une autre lotion avant, mais j'aime beaucoup. J'enchaîne sur le sérum. C'est plus ou moins la même composition. Acide hyaluronique, des algues marines. Vous avez vu, j'ai dû ouvrir le packaging comme ça, mettre une petite pression. Franchement, c'est très très beau. Là, ça fait plus gelé. C'est un peu plus épais. C'est très agréable, très frais. J'aime bien l'odeur. Donc ce sérum va permettre de venir raffermir la peau, la lisser, l'hydrater, vraiment donner un boost d'hydratation et sur une longue durée. Et ensuite j'ai la crème, donc dans une petite boîte bleue comme ça. Franchement, les packagings sont très très jolis. Là, c'est une crème assez généreuse qui, pareil, va apporter un boost d'hydratation. C'est même pour une peau qui va souffrir de rougeur, de déshydratation. Donc vraiment, elle est assez riche. J'en mets, bon là, je me suis peut-être un peu emballée, mais j'en mets un tout petit peu.
en règle générale. Mais vu qu'elle est assez riche, j'essaie de pas trop m'entartiner. Je vais réserver ça pour le soir. J'hésite pas à passer sur les lèvres d'ailleurs. Je l'ai emmené hier. À ce moment-là, j'en profite pour me mettre du baume à lèvres pour venir hydrater mes lèvres. Après là, j'ai mis de la crème hydratante sur mes lèvres, donc ça marche. Là, je vais attendre 10 minutes, laisser ma peau boire tous les soins pour ensuite enchaîner sur le maquillage. Et vous savez quoi? Là, je retire ma feuille et je me rends compte que j'ai oublié mon contour des yeux de chez CeraVe. Donc c'est un anti-cerne, un anti-poche. Comme vous pouvez voir, j'en ai pas mal. Donc hop, je répartis sur les deux yeux. Je fais en bas et en haut. Et puis en plus, ça permet de protéger la peau vu que je vais mettre de l'anti-cerne. C'est quand même bien de mettre une petite barrière. Voilà, j'ai une peau toute hydratée, toute propre. En attendant que ma peau boit tout ça, je vais me sécher les cheveux. Je vais en profiter. Je vais les protéger avec un spray de chez Furterer. Pareil, je vais pas vous faire toute une présentation de cette brosse-là. J'ai fait une vidéo où je vous montre tout. Donc, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Voilà, je vais quand même mettre une petite pince pour les tenir en arrière pour ne pas être gênée pour le maquillage. En premier, je vais appliquer une base de maquillage de chez Revlon. Makeup Skincare Primer complexe infusé d'extrait de citron, de vitamine E et C. Point de la peau, base de maquillage, correcteur de teint et éclat. Franchement, oui, ça va venir apporter vraiment bonne mine. Elle est un tout petit peu scintillante quand même. Je brille après. En vrai, ça, j'aime pas trop. Mais j'aime vraiment l'éclat qu'elle apporte à la peau et elle va venir bien hydrater, lisser la peau, pas de ouf non plus. Là pour la vidéo je vais enchaîner, mais le matin j'hésite pas à espacer, donc comme je vous disais, après mes soins et même là après la base, pour laisser pareil boire ma peau et ensuite me maquiller. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne de chez KVD Low Kit. J'ai la teinte L13 Cool, j'en applique assez généreusement parce que j'ai des jolies cernes. Et après, je laisse un petit peu poser. Et ensuite, je vais appliquer la bébé crème de chez Herborian, que tout le monde connaît maintenant. Donc, ça sert à rien que je vous la présente. J'en applique une toute petite noix parce qu'elle est assez foncée quand même pour ma carnation. Pour cet été, ça va être parfait. Mais là, pour l'hiver, c'est un peu juste. Donc, j'en applique un peu partout. Là, c'est pas un fond de teint, mais ça va venir vraiment couvrir, unifier le teint de ma peau. Là, je commence à appliquer avec les mains et ensuite avec les éponge, je vais venir tapoter pour bien fondre la matière à ma peau. Petite éponge de chez Action. Ma vidéo précédente, c'est un haul Action, donc n'hésitez pas à aller voir parce que vraiment, j'ai plein de petites pépites, j'ai plein de trucs trop cool. Et donc là, c'est parti pour l'anti-cerne. Et je l'aime vraiment beaucoup cet anti-cerne. Il va pas ou très peu filer dans les plis. Après, tout dépend du soin que je peux utiliser avant. Si c'est vraiment de la grosse crotte, et ben ça peut faire bouger mon anti-cerne ensuite. Ou si j'attends pas assez longtemps que l'anti-cerne, enfin pas que l'anti-cerne, mais que la crème contour des yeux, elle n'a pas été assez bue par ma peau. Si je patiente pas assez, et là c'est pareil, ça peut bouger. Mais sinon, c'est vraiment un anti-cerne parfait, longue tenue, qui couvre assez bien. Là, je pourrais en remettre une petite couche si je voulais vraiment encore plus camoufler. Mais vu que j'ai mis ma bébé crème qui est assez naturelle, je vais rester sur ce mood là. Donc voilà. Et là ça fait vraiment un teint très joli. Pas du tout matifiant comme j'aime. Mais je vais venir poudrer. Avant de poudrer, je vais utiliser ce blush crème de chez Maybelline. J'ai la teinte 15 Nude Burn. En vrai je l'utilise pas souvent. Je suis pas très fan. Je préfère les blushs en poudre. Donc j'en applique un tout petit peu. Une petite noix. Et là avec mon doigt je vais venir répartir le produit et ça fait joli quand même. À chaque fois je me dis ça va et tout, mais je préfère le blush normal. Là je repasse sur mes cernes, sur les zones où le produit peut bouger. Donc là je vais venir poudrer, faut que ça soit bien lisse pour pas que ça bouge. Et pour ceci j'utilise la poudre de chez KVD, teinte translucide. J'adore cette poudre, elle permet de venir matifier, de fixer le maquillage. Je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, je l'ai mélangé avec une poudre de chez Leclerc Claire, parce qu'il m'en restait presque plus à l'intérieur et le packaging de la poudre Leclerc était minuscule. J'aimais pas trop et je me suis dit que voilà, ça allait être plus pratique comme ça. Par contre, la poudre de chez Leclerc, j'en ai mis une tonne.
personne, elle, était colorée. Donc voilà, là je prends ma poudre et je viens tapoter la totalité de mon maquillage pour bien venir fixer, bien venir compresser au niveau de mon front, ma zone T, mes cernes. Ensuite je prends un pinceau que j'ai eu à Max & More, c'est le pinceau pour le bronzer. C'est le bronzer de chez Max & More que j'aime bien. Je l'utilise tous les jours. Et donc là, je viens au niveau d'ici, là, et un tout petit peu là, voilà. Ensuite, pareil, pinceau de chez Max & More, je les ai tous achetés. Pour le fard à paupières, là, j'utilise l'illuminateur de chez Yves Rocher que j'aime beaucoup. Donc ça va permettre entre autres que ça ne plisse pas dans mon creux de paupières et pour venir illuminer mon visage. Enfin, mon visage, mon regard. Donc je prends un pinceau plat en premier pour étaler, je vais venir compresser le produit à ma paupière et là je vais venir dégrader. J'ai rien pris pour mes sourcils, en même temps j'utilise vraiment tout le temps le même produit, donc je me les brosse. Celui de chez Benefit, si vous n'avez pas reconnu le packaging. J'utilise le crayon et je fais essentiellement, je comble les trous et un tout petit peu aussi la tête. Et là, je rebrosse un coup et je les brosse vers le haut. Ensuite, je mets du crayon noir sur ma muqueuse interne. C'est le crayon de chez Lancôme. Donc là, c'est pour bien ouvrir mon regard, pour qu'il soit un peu plus noir. Et en bas, je vais appliquer un crayon de chez Max & More que je vous ai présenté dans mon haul. Donc c'est le Kohl Pencil Max Factor, couleur rose blanc très clair. J'en applique en bas pour apporter de la lumière. J'hésite, j'ai sorti un eyeliner, je crois que je vais pas en mettre, je vais juste mettre du mascara, le Max Tac de chez MAC qui est trop cool. Il fait vraiment des cils démultipliés, allongés. Franchement, vous avez vu en deux coups de pinceau, enfin de brosse, la différence. Et dans la description du produit, ils le disent, hein, n'hésitez pas à repasser plein de couches. Donc si en un seul coup vous avez déjà ce résultat là, imaginez si vous passez plein de fois. Ça c'est mon maquillage vraiment de tous les jours, tous les matins, quand j'ouvre ma porte, acquérir les enfants, quand je commence ma journée de travail, voici ma tête. Il manque un petit élément. Souvent je mets du spray fixateur pour faire tenir le maquillage et tout, vu que je bouge beaucoup. Je me rends compte que j'ai plein de cheveux sur mon t-shirt, c'est pas grave. C'est The Porf Professional de chez Benefit. Je suis pas méga fan du produit. Alors peut-être que c'est la petite version et c'est peut-être pour ça qu'il y a un petit spray. Mais voilà, je suis obligée de mettre plein de coups de pression. Sur les lèvres, j'ai pas retrouvé. C'est pas grave, je vais mettre un autre produit. Qu'est-ce que je mets régulièrement? Soit le rouge à lèvres de chez Action que je vous montre régulièrement. Soit celui-ci, c'est exactement la même teinte. Ils se ressemblent beaucoup. C'est pas du tout le même prix. Quelque chose d'assez crémeux, d'assez naturel. Je suis prête. Ma journée peut commencer. Je fais ça parce que souvent je m'attache les cheveux. Mais vu que là je viens de les sécher, je viens de les laver, je vais les laisser détacher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à me laisser un petit message. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.